Nous trouvons à une période des relations internationales, surtout avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie, beaucoup de choses vont être redéfinies dans les relations internationales. L'Afrique demande une place de plus en plus importante dans ce jeu des relations internationales. L'Afrique veut que les relations internationales soient plus démocratiques, avec un siège ou deux sièges permanents pour des États africains. L'Afrique est le groupe régional le plus important au monde. Et enfin, dans les mois et les semaines à venir, il y aura beaucoup de questions relatives à la paix et à la sécurité du monde qui seront en jeu, surtout sur le continent. La voix de l'Afrique pourrait être mieux entendue. L'Algérie, d'abord, est un des grands pays de l'Afrique qui fait partie des 5 pays les plus importants du continent. L'expérience aussi a montré que l'Algérie a toujours été un grand défendeur de ses causes. Elle a été un membre important du mouvement des non-alignés. Et dans ce cadre-là, elle a joué un rôle important par le passé dans la revendication de la place africaine dans les relations international. Je pense particulièrement à la période où l'Algérie assurait la présidence de l'Assemblée générale des Nations unies. Le rôle que l'Algérie a joué dans les années 70, notamment au niveau de l'UNESCO, pour une redéfinition de l'ordre international, de l'ordre économique international, de l'ordre international de l'information. Et donc, une place pour l'Algérie au sein du Conseil de sécurité pour les deux prochaines années signifie que l'Afrique a au moins un atout pour faire valoir ses droits dans les relations internationales.